bonsoir, bienvenue, regardons ensemble les titres. L'arrivée du cyclone Batserai, un convoi de la liberté en France, les restrictions vont s'assouplir. Enfin, rien de tel qu'une bonne crêpe. Et miam miam la crêpe. 15 jours à peine après le passage de la tempête Colin Champion, qui pourrait provoquer de lourds dégâts, à commencer par Eric Zemmour. Les toutes dernières informations avec Meiki Batserai. Le cyclone Mananjari, à l'est de Madagascar. Partons désormais dans un puits asséché de 32 mètres. Des milliers d'habitants sont Ryan dans un élan de solidarité. On reçoit tout de suite ce soir le président. Parce que c'est notre projet ! Tribune de campagne 2022, présentée par Émilie Dubac. Eh ben voyons. De la crêpe traditionnelle à la crêpe revisitée, il n'y a décidément qu'un pas bien ancré, mais qui supplant à tenter de succomber à la tentation, regardez. Qu'elle soit salée ou sucrée, Marie avait accouché toutes les sauces, toute l'année, mais pourquoi nous fêtons des crêpes en février ? Gélas Ier aurait offert aux pèlerins un torchon au-dessus d'un meuble. Miam miam la crêpe, défi relevé. Eux justement ont brillé. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Bonsoir Steven, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et vous pouvez désormais retrouver toutes vos informations complémentaires et en direct sur notre site internet miamiamlacrêpe.fr. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment de nous avoir suivis. Mercredi à 16h, vous retrouverez Rodrigue Bedin pour son émission QG Politique. Coucou.